On fait une rénovation douce sur cette statue. On a fait un lavage à la vapeur qui s'est bien passé parce que déjà les trois quarts des mousses qui étaient dessus sont partis. Et puis maintenant, on ouvre les fissures qu'on a remarquées. On va les ouvrir, on va les rhabiller avec un mortier minéral de la même couleur. Une fois que ça sera fait, on va enlever encore les derniers petits résidus de mousse qui se trouvent dans les angles moins accessibles avec une petite brosse ou bien en grattant légèrement, surtout en enlevant ça soigneusement. Mais même si c'est une réplique, on doit quand même respecter aussi ce qui a été fait. L'original est au musée d'art et d'histoire, comme j'ai pu comprendre. Donc ceci est une réplique qui est en pierre. Et puis on doit quand même prendre le soin nécessaire autour. C'est plus du travail de restaurateur d'ailleurs que nous sommes en train de faire. C'est pour ça qu'on va respecter au maximum ce qui a été fait à une époque. Et puis on va y aller soigneusement, quoi. Was sind die Herausforderungen hier bei diesem Projekt? Ganz genau Verputz, der alles was Stahl ist, Verputz, gebürsten und wieder neue verschützen. Das machen wir in der Werkstatt. Aber wir wissen noch nicht ganz genau, wie können das machen, aber vielleicht mit Öl oder sagen wir das auf Deutsch, Cire d'Abeille. Bienenwachs. Jawohl. Oder vielleicht mit Acid Tannic. Das ist ein altes System, wir haben das früh gemacht und wir können das da wieder machen jetzt. Okay.